Quand on parle de la fin des temps et de la fin du monde, la plupart des gens sont obnubulés par le Dajjal et par les événements troublants. Pourtant, sans même le savoir, on oublie l'un des signes de la fin des temps les plus graves et les plus durs, sans même s'en rendre compte. Dans un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu qu'Allah ferait disparaître la science islamique en faisant petit à petit mourir les savants. Ce signe, nous le vivons de plus en plus, avec très fréquemment la perte de grands savants et de puits de science. Ces derniers jours, c'est le cheikh Al-Ayyash du Maroc qui s'est éteint du Covid-19, rahimahullah. Avant de mourir, il a laissé ce message comme un dernier conseil avant un long voyage, une dernière recommandation. Maintenant, nous vous laissons l'apprécier. ثم أخيرا أوصيكم إخواني بالصلاة في أوقاتها بالدعاء في جوف الليل ركعات وأنت في الخلوة وأنت في جوف الليل وأنت في الظلمة وليس بينك وبين الله إلا أن تدعوه ليس بينك وبين الله إلا أن ترفع يديك بالدعاء وعندما تنتهي من الدعاء وتنتهي من الصلاة ضع خديك على وسادتك وقل كما كان يقول أحد الصالحين لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. Qu'Allah fasse miséricorde au cheikh et lui donne le degré de martyr et qu'il nous aide à mettre en pratique ses précieux conseils. Nous vous demandons de partager cette vidéo au maximum et sans retenue. Peut-être ouvrira-t-elle des cœurs à l'amour d'Allah.